Nommé en qualité de membre du CSE en mars dernier, représentant le groupe État, Julien Kougé-Bécalé est le nouveau président du bureau du Conseil économique, social et environnemental. Il succède à la tête de l'institution à René aubian qui a signé son comeback au gouvernement en janvier dernier. L'ancien premier ministre gabonais revient ainsi au devant de la scène politique nationale qu'il avait été contraint de quitter après sa sortie du gouvernement au profit de Rose Christian Osuka Raponda en juillet 2020. Une nouvelle fonction pour Julien Kougbékalé, âgé de 61 ans, baron du parti démocratique gabonais, originaire de Ntoum, qui est une des communes faisant partie du grand Libreville dans la province de l'Estuière. Ancien ministre du pétrole, également du transport et de l'équipement, de l'agriculture ou encore du travail et des PME, Fort du commun mandat est un inconditionnel à la politique du chef de l'État, Ndimba. Pour rappel, le CSE est un organe constitutionnel chargé de donner des avis sur toutes les questions de développement économique, social, culturel et environnemental. Il intervient notamment sur les questions liées à l'orientation générale de l'économie du pays, à la politique financière et budgétaire. Des matières premières à celles sociales et culturelles, à la politique de l'environnement et du développement durable, selon l'article 103 de la Constitution. La première session ordinaire de l'institution pour le compte de l'année 2023 s'était penchée sur les questions de la vie chère et de la parafiscalité, qui a connu son épilogue avec la tenue des récentes assises nationales sur la vie chère. Nul doute que le CSE s'intéressera aux questions environnementales, le Gabon étant leader en la matière est cornée parfois par le conflit homme faune qui peine à trouver des solutions satisfaisantes pour les populations, notamment celles de l'arrière-pays.